comme promesse qu'elle fait. Donc, il y a une nouvelle pour le sénateur là, pour qu'il soit capable de faire route la montagne là, qui a mené plusieurs côtés, dans Bénin, hein, et dans la zone, et plusieurs autres côtés. Donc, okay. Pour ça, il y a demandé avec le sénateur là, pour aller en bas, pour penser avec la montagne, côté lui-même également, qu'elle soit ici. Donc, vraiment, on est content. Ouais. En pile monde qui dit, est-ce que Bob là, est-ce que Bob, c'est pas même? Ah oui. Bon, c'est pas même. Et parce pas que... dîme sur les. Oui, non, pas de tout ça. Hein. Bat tout ça, mais quand même, okay. Et vraiment, mon yo apprécié le travail qu'on a fait dans la radio. Je des petits gars qui ont dit chaque jour, je hein, chaque jour, je des Bob, côté Bob. Donc, vraiment, c'était un moment côté on était content de rejoindre. Oui, en pile monde que longtemps que nous pas dans la zone la montagne, surtout côté Notalé, c'est là. Et tonton ça, l'état enterré, donc monsieur okay. Qui mourut presque à 89 ans, Julie Seguerrier. Donc, qui ont pile les petites qui ont même tout est présent pour te venir rendre citoyen ça yon dernier hommage. C'est ton foutueuse retrouvaille. Oui, c'est bien. Oui, oui, oui. C'est bien ça. Donc, moi, c'est Marie-Antoine qui t'a fait virer dans Pérédo, dans Fond Jean-Noël. Et puis, qui t'a dit nous, yon n'a bagaille qui levé le matin, c'est pied cheval. Paysan, il pral nan marché, et puis tire radio dans téléphone, et puis il dit la tant des journal lan, paysan qui a passé, qui a sauté Fond Jean-Noël, qui a glissé, descend, qui a sauté Pérédo. Donc c'est bien, nous saluons famille Isson Douce, Emmanuel Nozil, tout le monde saluons dans Fond Jean-Noël, Minouz Latigue, continuez avec travail, lancez une belle initiative. Et puis l'autre message que vous avez, c'est direction générale radio, parce okay. Que vous pas qu'à prendre radio sur fréquence, donc vous avez fait et Radio Sud-Est, il y okay. Seulement bah, journal là, mais mm-hmm. L'autre émission phare que Radio a gagné, il n'y a pas qu'à prendre. Ça fait longtemps que vous dites 94.5, là, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à propre Zelly, Jacques oui, Mel. C'est ça. Eh bien, nous souhaitons direction générale la prendre note. Eh bien, amis auditeurs, n'a pas l'ouvri journal long avec déroulement élection. Pendant environ 6 jours, c'est pour le déroulement élection, collectivité territoriale, avec deuxième tour élection législative. Yo. Si conseil électoral provisoire dit au paré, dans la rue en campagne électorale, l'an pas trop chauffé, parce que ça. Toutefois, en deuxième cargaison matérielle sensible, doit arriver samedi, t'es doit arriver dans le pays à samedi 21 juin. Nous allons voir comment ça y est. Est-ce que toute bagaille fine clair? Mais en attendant, laissez-nous dire que. Président de la République, la Jocelyne Privet, est recevoir vendredi passé hein, dans le Palais national l'aide créance des nouveaux ambassadeurs en Haïti. C'est Alfred Tanduc, Palem Bangan, avec Patrick Van Gael, respectivement ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire Indonésie avec Wyoming, Belgique. Des diplomates saoutéchis d'a parlé avec président provisoire, en présence ministre Affaires étrangères, l'Empire Rodélienne. Nouveau ambassadeur prend engagement pour bien représenter le pays pendant qu'il a respecté le principe que réglementer relations diplomatiques. Youn après l'autre, Alfred Tanduc, Palem Bangan, avec Patrick Van Gehel. It is excellent. And... Je suis très content. Occasion ça pour me présenter non seulement l'aide de créance mais à Son Excellence le Président de la République, mais également pour nous saluer gouvernement avec PIA, dans nos pays Pamrin, peuple Pamrin avec nos président Panou. Je dis à une très belle opportunité tout pour me répéter comment nous comptons pour nous avoir la possibilité pour nous améliorer la relation entre deux pays par nous, Indonésie avec Haïti. Indonésie est un pays qui est très loin sur le plan physique de la République d'Haïti, mais cependant, je dis à, grâce à nouveaux moyens de communication, nous sommes capables d'espérer améliorer la relation qui est déjà bonne. Relations ont déjà existé au niveau politique, au niveau social, mais nous pensons que nous sommes capables de continuer l'amélioration du rapport que nous gagnons entre deux pays. Mais espérer que l'autorité pays d'Haïti va accompagner moi tout pour nous capables de concrétiser la mission diplomatique. Et encore une fois, moi remercier nous pour accueillir nous. Thank you very much. C'est vraiment pour moi un honneur, comme tu viens d'expliquer, Monsieur le Président, de servir comme ambassadeur de Belgique. Bon, c'est toujours un plaisir de pouvoir servir dans un pays ami, ce qui est le cas, parce que les relations historiques entre les deux pays sont excellentes. Et ce serait vraiment pour moi un plaisir de le développer encore plus. On a des liens culturels en commun.
beaucoup d'hommes politiques ont eu le plaisir et la Belgique a eu l'honneur d'accueillir en Belgique des hommes politiques qui ont étudié encore dans mon pays. Et ça cette politique ne changerait pas. On sera toujours un pays d'accueil pour le peuple haïtien. On a d'ailleurs une grande communauté haïtienne dans mon pays, une communauté relativement grande belge ici. Et on espère dans les mois et les à venir de profiter du carrefour politique qu'on est en train de vivre pour l'instant ici dans votre pays magnifique et d'en profiter au maximum pour travailler ensemble. On a des défis en commun, comme notamment le changement climatique. On vient d'en toucher un mot. Et de travailler ensemble aussi sur la scène internationale. Je crois que c'est très important. Mais on commencerait cette année aussi par quelques événements culturels. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, au tap à côté de nouveau diplomate Sayo, on a un micro, Michel Joseph. Président élu Payan, Jovenel Moïse, rend une visite côtoisie avec directeur général PNH. Là, c'était vendredi, mais n'a pas rappelé, les pas de week-end, non? Jovenel Moïse était dans le sud Payan. Nous avons essayé de rejoindre Nazaire, qui n'est pas capable de rejoindre. Et c'est dans Okaï. Le président a annoncé que le carnaval 2017 là, il y a fait. Donc, le carnaval national qui était habitué à faire, Jean Matéli était qu'on fait dans plusieurs villes provinces, Okaï, au Cap. Et qui compte le défaite encore Gonaïve. Donc, Jovenel Moïse a annoncé que carnaval 2017 là, il a fait au Caï. C'est qui toi, Joussaïo là? Et pas rappeler. 26, 27, 28. Donc, c'est au Caï, carnaval là, a fait. Et d'ailleurs, nous te voyons sur le podium, ancien président Michel Martelly, qui était bon côté, sans doute dans le cadre de campagne électorale qui gagnait. Non, payant pour deuxième tour élection. Donc, Jovenel Moïse, qui vendredi, en janvier, a rencontré avec le commandement PNH, qui a même réuni avant ça pour être capable de définir le plan stratégique de sécurité élection dimanche 29 janvier 2017, là, pour question carnaval. Là. Donc, visite ça, rentrer dans quatre démarches pour renforcer l'institution dans le pays, d'après Jovenel Moïse, qui promet pour accompagner la police nationale pendant cinq années, le mandat liant, une façon pour être capable d'établir l'ordre dans le pays. Vous dites, vous êtes représentant à la télé, j'ai remplacé correctement. J'ai remplacé, ah bon? Parce que moi, tout le reste campagne, là, Jovenel de Moïse, et donc. Oui, on dit, c'est pour mes campagnes. Jovenel de Moïse, c'est ton stratégie, c'est le fait qu'il n'y a pas d'accompagner. Bon, probablement, le tape montré. Il y a terrible, bah, fouille. Et oui, probablement t'as montré monsieur oui, voilà, c'est une meilleure stratégie. Oui. Ou pas qu'on est le président Matéli fin dans bagouogli, fin ballon micro, ou pas qu'on qui déblose avec café. Et il démarre là, il démarre avec un déblose, il pas bon pour Jovenel Moïse. Elle est là force non, mais vérité à vous dire, qui pas bon pour Jovenel Moïse. Il pas besoin vin ting Jean Monac, les liens encore là. Oui. Et donc il pas besoin faire ça. Il a besoin faire ça. Pas grand rien dit mon moi Jovenel hier, s'il pas entre dans logique fair play avec Lili avec Jean Mounal, il dit fair play là. Et donc, chita avec yo, ouais, qui stratégie. Et madame Kibo Jovenel la témène pour te faire Jovenel, chita avec Lili, et Fonti Palé et tout dans la période de campagne là. Oui. Et donc, dernier boum ça, je viens de mettre là. Donc, qui bat du tout là. Avantage l'autre. Donc, nous souhaité pour de bon, bien comporté. Oui, non, mais on va peut-être espérer que le président. Ou pas venir créer entre à vous l'autre. Oui, il y a mon qui dit souhaité président. Oui, mais ça me met dans fait pour samedi. Son ancien président, 5 ans, on va rencontrer avec de gros. Il va un moment pour créer division, haine, zizani, encore dans la société. Ça, il n'est pas possible. Ça va mener à quel côté. Souhaite bien prendre place ou prendre place. Et puis comportez-vous, bien comportez-vous, citoyens. Et puis c'est pas un petit vice, c'est suite. Mais qui non, non, c'est pas un bail, un débat. Bien, c'est chance pour monsieur développer. Oui. Pas créer ennemi pour libre, pour rien que pas petit loin. Oui, donc c'est ton promesse de campagne, d'après ça nous apprend Jovenel Moïse qui a annoncé que campagne électorale, et carnaval 2017, là, il y a fait au Caï. 2018, Port-au-Prince, l'Aptanio, donc l'Apavé.
On allait écouter Frankel Magine tout à l'heure on a parlé avec vous avec situation ça qui arrivé dans Roseau côté gagné yon moun qui mouri même bon nous à côté déclaration président élu Jovenel Moïse dans micro Johnny Ferdinand c'était vendredi dans moment il t'a pas visité direction générale PNH dans côté il était à parler avec directeur général là héros au commandement institution ça. Premièrement moi remercie la presse pour présentation et son visite surprise vers la direction générale là. Moi, j'ai fait campagne avec renforcement institutionnel. Tout le monde qu'on aime parler, nous sommes monde qui croit dans l'institution pays. Moi, là pour renforcer l'institution. La police, c'est une institution qui est plus importante pour nous dans le pays, à PNH. Et son j'aime de faire campagne avec l'ordre. Parce que pour le pays, il y a l'ordre, pour nous soutenir l'anarchie, pour nous aller dans la démocratie réelle. Pour le fait, démocratie en clair, côté droit pour fini, c'est là par l'autre commencer. Et moun ki là qui pour faire la loi, respecter. Tout le monde connaît les décisions de justice qui prend, application, la police qui a un gros rôle pour le faire là-dedans. Moi là, pour me dire, la police nationale en général et direction générale police, que Jovenel Moïse, président élu, nous l'avons en travail ensemble pour nous Haïti meilleur. Merci. Donc, Jovenel Moïse, qui est lui-même, pas trop long dans la presse ces derniers jours. Et président, et bon, pour tout nous, ça tout. Et quand même, même humilité, tu as gagné dans la période de campagne, là, un bon conseil, en bas. Même humilité. Humilité, tu prends la ligne, là, car on a tout dit non. Tout le monde a dit prends devant nous, tu dis non. Ou t'es arrivé en retard, ou attendre tout le monde fin passer ou même pour passer dans le port là. Même humilité ça, qu'un bel nade. Parce qu'on réponse ou avant hier, pas trop apprécié là. Ma bon conseil ça, très bon. Les journalistes m'ont demandé ça, Zami, ça, ou à Saint-Domingue. Et vous dites, pendant la pénitentiaire, ou t'as le prendre. Ou t'es encore l'autre gens, ou t'es qu'à répondre dedans. T'as dit, président? Et puis la femme du César doit être toujours au-dessus de tout soupçon. Oui. Parce que nous avons toujours été dans mes cours, et dans mes paysans pour paysans. Toutes les autres, vous avez de l'eau sale jour, nous-mêmes, petites paysans, pas fait scop, ils ont piqué pour peut-être nous recevons correctement, avec sagesse, vous gagnez dans la tête autour, déposer, ou argument, on déposer, mais pas penser que son chèque en blanc, et donc, vous fin bon là, quelle humilité, de laisser ça, même humilité avec Barack Obama, comme gentleman, qui sorti, sagesse, oui, on a goût, Barack, fait mettre là. Devant ces petits gestes, son nègre fait, papa, je vous ai bah pour ta avion le bras là où tu vois là les films monte avec ma film monte madame les devant film bas n'oublie ça lui il y a un agent il donne lui un agent triste l'autre bois et puis il descend en avion le même Michel a regardé par contre ça prend au baraque bah aller le saluer monsieur et puis il remonte encore ah non les militaires sont gros âmes que ben les militaires attendez parce que on va une d'après chez la caille en pile on va une réponse où tu bailles la presse avant hier pas venir faire tête chaude. Elle va faire qu'une tête chaude. Yeah. Diviser comme ça, c'est ne pas mettre tête ensemble. Okay. Pas parler qu'un côté, on continue à être dans quelque chose. On n'a pas l'eau. Et pour bien, oui, on n'a pas l'eau. Les cinq ans, oui, devant, on n'a pas l'eau. Comment se débarrasser des sous-sous, parce que tout ça fait bon, et pourtant, c'est faux. On va commencer, continuer sous même ligne. Pas venir faire qu'une grosse tête pour lui manquer la presse des gars, il n'a pas dit bah, grossier, et puis après, on est là. Vous mettez tout notre travail. On a le côté qu'on a la déclaration du directeur général PNH, Michel-Ange Léon, qui, bon côté, parle, tu es content, visite président élu. Michel-Ange Léon dit, visite président élu, bien tombé, puisque l'état-major police n'a travaillé sur ensemble disposition qui doit adopter dans le jour qu'à venir. Et ça, c'était occasion pour Jovenel Moïse faire connaissance avec la composition au état-major la police, là, d'après Michel-Ange Léon, qui était dans le micro, Johnny Ferdinand. Bon, alors nous sentons d'abord honorés. De visite ça, une visite surprise. Et nous, pour nous continuer de travailler avec toute impartialité que ça m'a dit. Et ça tombait bien. Visite là, faites non moment pour que nous sommes en réunion de commandement, à planifier justement certains événements qui ont venu, les élections du 29 janvier prochain. L'inauguration ou l'investiture du président de la République et le carnaval. Donc, visite ça a tombé bien. Le président de la chasse pour tout faire connaissance avec l'état-major police. Il est directeur départemental. Et c'est même conseiller là
Nous avons fait l'élection le 20 novembre pour dire que nous avons une police qui lutte, une police qui est impartiale. Et nous réitérons même instruction à eux, à toutes les responsables de police. Nous avons fait le président connaître que la police a toujours été une police solide, une police impartiale, une police professionnelle. Merci beaucoup. Merci, Bill. Voilà, directeur général, la police de Michel-Ange Gédéon, en occasion, t'a pas recevoir président élu Jovenel Moïse, ancien ministre économie et finance pour voir tête calée à professeur Wilson Lalo, répond à l'invitation juge instructeur là, Belge au surpris, dans le cadre dossier gaspillage, fonds pétro-caribéen. C'est maître Stanley Gaston qui a accompagné Wilson Lalo qui n'a pas accepté de répondre à une question aucun journaliste après audition. Maître Stanley Gaston, avocat, ancien ministre, lui-même tout, pas bail trop de détails sur audition. Ça, mais rappelez, Wilson Lalo, professeur, n'a pas gagné ni mandat ni interdiction de pas contre les. N'attendez tout coûte, maître Stanley Gaston, dans mes cours, Magesson Félistin. Nous connaissons que il y a un dossier en justice qui concerne l'ancien ministre Wilson Lalo. Et comme tout citoyen, il est supposé répondre à toute convocation de la justice. Il était une convocation que la justice a lancée. Donc, je dis à le président devant le juge là pour répondre à toute une série de questions. Mais, gens que nous connaissons tout, l'instruction est secrète. Je ne suis pas capable de livrer les secrets de l'instruction à travers la presse. Non, disons que, essentiellement, il y a un seul fait que je reproche, c'est un fait de détournement. Mais, je ne suis pas dit plus que ça. Parce que l'instruction est secrète, mais pour le présent moment, il y a juge toute explication que le juge a besoin. Donc, c'est ça qui explique que l'instruction a passé de très bonnes conditions et que présentement, lui-même, il va continuer l'occupation. Vous avez voulu retourner là? Bon, retourner, ça va dépendre du juge là, parce qu'on essaie de juger à mener une enquête. Si le juge a décidé, il faut que le retourne. Comme c'est un citoyen qui est respectueux des lois et des magistrats, il a retourné. Mais si le juge n'a pas estimé que c'est nécessaire pour le retourner, il a continué à faire. Ah non, bien sûr, l'instruction est secrète. Non, mais c'est une enquête que le juge a menée. Donc le juge a estimé que le nécessaire, qu'il y ait des explications qu'il a besoin. Le juge l'a invité pour des explications que le fournit. Donc on va faire le principe du secret de l'instruction. On va faire ça. Ah non, on va faire toutes les instructions qu'on voulait. Mais moi-même, je réponds à la question. Il faut ne pas confondre le lieu. Monsieur Lalo sous enquête, moi c'est un avocat qui accompagne, qui assiste, ainsi que Maître Dorval. Il y a le juge qui a mené l'enquête, il y a des questions qu'on pose, le juge est mieux placé pour le répondre. Parce que l'enquêteur, c'est le juge. Est-ce qu'il y a un autre monde qui a pris le CELI qui connaît? Est-ce qu'il décide d'inviter Monsieur Lalo à nouveau? C'est lui qui connaît, mais moi-même en tant qu'avocat, et M. Lalo qui sous enquête, il n'y a pas raconté ça. Ça t'a dit, M. Lalo sous enquête, il frappait de l'interdiction de départ tout. Ah non, pas rien comme ça. Pas rien comme ça. Voilà, précision, Maître Stanley Gaston, autour des auditions, ancien ministre économie et finance, professeur Wilson Lalo, devant juge belge au Supré pendant le week-end. Président conseil d'administration Banque Centrale, Banque Nationale Crédit, pardon, BNC, Fernand Robert Pardo, répond à une question juge d'instruction Brady Fabien, vendredi passé, dans le cadre d'enquête concernant soupçon blanchiment d'argent qui a pesé sous dos à prochain président pays à Jovenel Moïse. Pendant une conférence pour la presse 18 janvier 2017, l'an, directeur général UCREF, Sonel Jean-François, a déclaré c'est BNC qui te soumet un formulaire d'ouverture 03 40 000 272 $ dans le nom Jovenel Moïse, alors ce qui est concerné à tout avocat, il fait qu'on ait un numéro de compte là, c'est un compte en goutte. Est-ce qu'effectivement, c'est BNC qui a fait erreur là, donc, au sens de. T'es grand film, moi, ça, millionnaire pas erreur. Oui. Au sens de millionnaire pas erreur là, ça a fait le pas bon. Et puis, Banque a pris les lits, a parlé en souplesse avec, et puis il est allé, il dit ouais, bon. On trouve des moutons qui ont un chance comme ça. Et bien, regardez, ils ont un millionnaire avant le tap mourir. A déposé pour petit lit. Et bien, ce compte malheureux, là, j'ai déposé comme là. Ouais, on compte un peu. Tout est possible. Mais lui-même, il connaît un bout de lit, il ne mettait pas là. Donc, ça te font bande tollée, pas la bande pile. Donc, amis auditeurs, est-ce qu'effectivement, CBN, c'est que tu as fait erreur? N'en confondent yon compte goud ak dola, on va dire si yon est en pimpe dola sous les tout, personne pas arrivé gen réponse à question ça, puisque directeur conseil administration an, pas décidé by trop détails après audition an, sous prétexte instruction an, secrète. On écoute Fernand Robert Pardo, dans micro Magesson Félistin. Juge, j'ai besoin de précision, nous baye précision yo, et à ce stade de débat, c'est tout ça m'a dit parce que. Et BNC lié par secret professionnel. Donc, et eux, et puis ensuite, nous tous connaissons que
et instruction sur Marie qui sucre. Donc c'est tout ça que je dis pour le moment. Merci beaucoup. Sous question compte là, sous question compte là, goût de dollar, qui ça va dire pour ça, tout ça. Excusez-moi. Voilà, secrétaire général observatoire haïtien droit monde dénoncé façon UCREF utilisée pour produire dernière enquête administrative qui gagne pour eux avec les affaires blanchiment mal l'argent qui t'a impliqué président élu Jovenel Moïse, mais ta belle Louis V qui condamné scandale qu'a fait dans le cadre dossier ça, mandé pour une explication qui baille pour qu'on ait qui est sans UCREF ou bien BNC qui t'a fait erreur dans le traitement dossier ça, mais ta belle Louis V dans le micro Ganito François. Nous dénoncer façon procédure a été faite là, dénoncer aussi pour qui ça gagne empressement ça, dans un temps qui tellement précieux, dans un temps qui tellement fragile, et pour qui ça c'est scandale y a fait avec dossier passé aujourd'hui sérieux. Parce que une fois que UCREF recevait une déclaration de soupçon, il gagnait des instances d'investigation telles que le BAF, qui c'est le Bureau des Affaires Financières et Économiques, qui auprès de la DCPJ, que l'ICA confiait des tâches pour aller chercher qu'on est. Est-ce que indice a eu le gain là chercher qu'on est, est-ce qu'il existait effectivement? Si yon dossier était là depuis 2013, après 4 ans, c'est que un, bon travail qui n'a pas fait. Est-ce que UCREF est mort dans la période ça? Deux, après 4 ans, il a ressuscité. Est-ce que c'est pour nuire à quelqu'un?